Coucou, un livre qu'on a trouvé très rigolo avec la maîtresse aujourd'hui. Ça s'appelle Le loup en slip. Un petit peu dur, donc on va vous raconter ça comme on peut. Vous allez voir, les images sont très rigolotes. Donc comme d'habitude, on éteint la bouche, on éteint les bruits autour, on ouvre grand les yeux et les oreilles et on écoute. Le loup en slip, Wilfried Lupano, Mayana Itoïs. Au-dessus de la forêt vit le loup, un cri qui glace, un regard fou. Dans la forêt, on le sait, ne laisse pas traîner tes fesses quand le loup descend pour manger. Dans la forêt, les animaux passent toute la journée à se protéger contre le loup. Barrières, alarmes, pièges et cours de karaté. La peur du loup, c'est très compliqué. Le professeur Serre apprend aux animaux à reconnaître le grand méchant loup. Mais un jour, le loup arrive pour de vrai. Voilà le loup! C'est la panique. Tout le monde se cache et tremble de peur. Le loup approche. Voilà. Qu'il pointe le bout de son nez. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est le loup, lui? Non, mais pas du tout. Mais non, mais vous avez vu ce slip? Mais qu'est-ce que c'est que ce slip, surtout? Ben, c'est malin, vous nous avez fait peur, vous êtes qui, vous? Moi? Ben, moi, je suis le loup. Comment ça, le loup? Mais non, nous on vous parle de l'autre loup là, le loup avec un regard fou, celui avec des grosses dents là, comme des couteaux, celui qui vit là-haut. Là-haut? Ben, c'est moi qui vis là-haut. La maison qu'on voit là, c'est la mienne. Le professeur Serre vérifie que cet animal est bien le grand méchant loup. Bien, 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 voyons, voyons. Pardon, mais vous ne pouvez pas être le loup. Non, 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 vous n'avez pas du tout le regard fou. Vos poils ne sont pas hirsutes. Et quant à vos dents, quand même, pas mal. Ben oui, puisque je vous dis que c'est moi le loup. Mais les animaux ne le croient pas, surtout à cause de son slip. Le grand méchant loup ne porterait jamais un slip pareil. Parce que avant, quand je me baladais dans la forêt, en fait, j'avais tout le temps froid aux fesses. Alors, ça me mettait de mauvaise humeur. J'avais les yeux tout rouges, les crocs à serrer. Ça allait pas du tout. Bref, depuis que j'ai ce slip, je n'ai plus jamais froid aux fesses. Ah, oh, ce slip! Bah, ce slip, il a changé ma vie, quoi, si vous saviez. Voilà, c'est plus confortable. Je suis mieux avec ce slip, quoi. Bon, alors d'accord, mais où est-ce que vous avez trouvé un slip pareil? C'est un cadeau. Un cadeau? Un cadeau de qui? Un cadeau de moi. Dit sa copine la chouette. Il avait froid aux fesses, je lui ai tricoté un slip. Fin de l'histoire. Ah non, mais vous allez pas vous en tirer comme ça. Vous êtes un affreux Jojo, oui. En plus, c'est vous qui dévorez tous les animaux de la forêt. C'est vrai ça. Les trois petits cochons, où est-ce qu'ils sont passés? Ah oh, non, mais un loup en slip, on n'a jamais vu ça. Quoi? Non, mais moi j'ai jamais dévoré personne, hein. Pas du tout. Moi je fais mes courses au petit marché qui est là-bas. Ah bon? C'est pas lui qui dévore les animaux? Mais qu'est-ce qu'on va devenir, nous? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant si on n'a plus peur du loup? Désolé, moi c'est pas mon problème, débrouillez-vous. Je vous laisse, je vais faire mes courses. Allez, salut!
Voilà les loulous, on espère que cette histoire rigolote de loup en slip vous a bien plu. Nous, on s'est beaucoup amusé à vous la raconter. On pense bien à vous, on vous fait des bisous, on vous dit à bientôt. À bientôt.